Bonjour YouTube. Deuxième épisode sur la découverte de ce jeu incroyable qui est 12 Minutes. J'ai récupéré du coup deux numéros. Alors je ne sais pas s'ils se sont notés dans le jeu, puisqu'on a un petit répertoire quand on va dans le téléphone. Donc s'ils n'y sont pas, je m'en suis au moins noté un. Donc je vais aller voir ça tout de suite, comme ça on saura, on verra un petit peu à quoi s'en tenir. Donc je vais tout de suite ouvrir la porte et avancer. Bon, j'espère que ça va YouTube, hein. J'espère que t'as passé une bonne journée. N'oublie pas de soutenir cette vidéo, hein. Non, c'est comment ça marche? Sortir du placard. De toute façon, elle vient m'aggro. Même si je suis planqué dans le placard, elle vient me chercher. Et si je suis planqué? J'ai pas essayé de fermer la porte. Parce qu'elle m'a pas entendu rentrer. Ça se trouve si je. Et ouais, ça se trouve si je reste planqué. Attendez, peut-être que si je reste planqué, elle va dire des trucs. Ou alors elle va faire des trucs. Genre peut-être qu'elle va ouvrir la cachette secrète de là où elle cache la montre. Non, il y a un bouton d'avance rapide, juste je m'en sers peu, mais il y a un bouton d'avance rapide. Quand il y a un dialogue, je peux cliquer, et si je clique, je passe le dialogue en fait. Juste que je m'en sers peu. Alors, le téléphone. Donne le téléphone. Fais voir. Appelez mon numéro. Ouais, il n'y a que le mien. Donc, du coup, si je fais 413. Oh, I forgot to call the landlord 1, about the 93. Light switch. Hello? Hey. I got your number from your dad. What? Lui parler de son cancer. Listen, I know about your situation. And I'm sorry. Je suis vraiment désolé, le cancer c'est horrible. Cancer is awful. Who are you? Qui êtes-vous? Allez vous faire foutre. Mais ma petite. Mais ma petite. Mais je vais te rappeler tout de suite en fait. Hey! Sorry, I can't talk right now. Leave a message or just text me. Bon, je pourrais plus rien faire. Je retente une fois. Elle me raccroche. Hey, sorry, I can't talk right now. Leave a message or just okay. Text me. Ok. Donc, je vais fermer la porte. Et le truc, c'est que maintenant... Ah merde, j'ai oublié, je devais lui dire oui, il y a de l'orage dehors. C'était ma preuve. Bon. Faut que je me note les trucs que je veux faire. Sinon je vais oublier. L'orage. Donc faut que je lui parle de l'orage. J'ai l'autre numéro si tu veux. Est-ce que je le prends? Parce qu'en vrai je l'ai vu et en fait je l'avais en tête. Je me le suis même dit, faut que je le note tout de suite. Et après je vous ai parlé et j'ai oublié. Donc en vrai, oui, vas-y donne-le-moi. De toute façon je l'aurais eu. Je crois que c'était 888-555 et que des 1 après. Je crois que c'était ça le numéro. Ouais, ah non, c'est 0, ok, bon, dommage. Dommage, c'était 888-555 et 0-1-1-1. Ok. Parce que en vrai, j'allais vraiment le noter, je l'avais en tête, et juste bah, au moment où j'ai voulu le noter, je vous ai parlé, et après j'ai zappé. Typical moi, quoi. Ça, c'est la mutuelle. For calling Blue Care First. This call may be monitored or recorded for quality assurance and training purposes. All representatives are currently assisting other customers. Please stay on the line and the next available representative will assist you. Representatives are currently assisting other customers. Please stay on the line and the next available representative will assist you. Hey, I finally remembered to put the spare key outside. Imaginez la musique à les DMCA. Representatives are currently assisting other customers. Please stay on the line and the next available representative will assist you. Ah non mais je reste hein. C'est ma boucle. Là c'est la boucle que je vais faire là. Je vais attendre que quelqu'un parce que je suis sûr ça va marcher. C'est obligé que ça marche en fait. On aura peut-être genre son nom, on aura peut-être un truc comme ça, je sais pas, on aura peut-être un truc. Même si normalement bon la mutuelle donne pas le nom de ses clients mais on sait jamais. Oh, we gotta clean that closet. Faut qu'on nettoie le placard.
Elle dit des trucs intéressants depuis tout à l'heure. Elle dit « Ah, j'ai pensé à mettre une clé dehors. » Là, elle a dit « J'ai nettoyé le placard. » Faut vraiment que je me note les trucs. Hein. Le jeu est hyper bien fait. Bah... En vrai, ils ont pensé... Il y a déjà au moins deux ou trois fois où je me suis dit « Tain, ils ont pensé à coder un truc pour ça, quoi. » Pour cette situation précise. Peut-être que pendant ce temps, je pourrais faire des trucs. Ah oui, ok, je peux vous passer le moment où c'est chiant. Ça fait longtemps qu'un livre ne m'avait pas autant plu. Ok. Elle dit des trucs intéressants, hein. Bon, je clique du coup. Hein. Merde, il arrive. Je peux pas faire plus court là. Non! Non! Attends, elle peut pas ouvrir la porte parce que je suis devant? Le génie. Je fais barrage. Tu n'ouvriras pas. Non mais c'est abusé. J'ai même pas pris le couteau, j'ai rien pris. Il va rentrer, il va tout péter. Et moi je suis au téléphone avec sa mutuelle. Police. What's going on? What is this? On the ground. Now. You can't just come in like this. Faut que je lui parle au flic, faut que je lui dise ah, ta fille elle a le cancer et je sais, je suis au courant, j'ai tout vu. Hey, what is going on? Peut-être qu'il va falloir que je lui parle à elle et lui dire ouais le policier Hold still. Mais il veut pas que je lui parle en plus. Sure. D'ailleurs il m'a attaché avant elle. Sir? 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 What is going on? Babe, look at me. Non! Will you come help me? You don't get... I can't. My wrists. Hey, listen. Parle de sa fille! Sortez de chez moi ou je résilie votre mutuelle, monsieur! J'ai votre mutuelle au téléphone, monsieur! J'annule votre contrat, moi! Moi, je monte votre contrat et je le monte à 300 balles par mois. Alors, faites pas le malin avec moi. Hein. Moi, je bourrais la touche, c'est pour ça que ça disait sœur, 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 sœur. How's your daughter doing? I don't know. Ouf. Ouf. Ah non, mais ouais, non, mais fallait pas lui dire ça. Là. Fallait pas lui dire ça. Il est fou, lui. Mais il est fou malade. Ah oui, genre, ça. Là, il y a du monde, là. Super. Bon, première boucle qui a pas été très utile, on a appelé la mutuelle. Bon, alors, plan de jeu. Là, faut que je lui parle de l'orage. Faut que je lui parle de l'orage. Je commence à avoir chaud, moi. C'est le café, ça. C'est le café. N'oubliez pas de follow, hein, s'il y a des nouveaux. N'oubliez pas de follow. Le canapé. Si je m'assois dans le canapé, c'est vrai que j'ai pas essayé de m'asseoir dans le canapé longtemps pour voir. Table. Eh, la... ouais, la table. Non, y'a rien, ok. Hey there. Coucou, alors, viens là. Alors, lui, oui. Been there. Ok, oui, que la journée recommence. Yeah, great. Let's see it. Wow me. Eh bien, je te le prouve, let's see. Tout de suite. La preuve par 3. Seconds, we're gonna hear thunder. The forecast is clear. Le ton est dégagé, yeah, I know. Je sais, attends un peu. C'est bon? Le temps passe pendant ce temps-là. Hein. Oui. So, when's it gonna start? Ta 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 ta. Allez! We could use the rain.
hope you're right. Non mais je crois que ça commence tard en vrai, on se rendait pas compte mais ça commençait tard en vrai l'orage. Je peux appeler la mutuelle pendant ce temps-là. C'était flippant. Comment tu as fait ça? Ouais. Mais putain! Mais écoute-moi quand je te parle! Mais je te dis des trucs! Let's see. Mais oui, elle est trop gentille depuis le début, elle est adorable et c'est énervant! Elle vient là directement, tiens. Elle faisait pas ça tout à l'heure? Ça plus ça, c'est bon ou il t'en faut encore? Ouais, va t'asseoir! Oh là là, on est sur un nouveau truc. On est sur un nouveau truc. This is crazy. Ok. Merde, j'ai pas lu. J'aurais pas dû l'agro. Lui parler du policier. In the next few minutes, a cop is gonna be at the door. Ok. What does he want? Qu'est-ce qu'il veut? Il l'accuse de meurtre. Yeah, that cop. He's gonna accuse you of killing your father. What? My dad died of a heart attack. Oui, bah, ouais, tu me l'as déjà dit. It's crazy talk. Tu l'as fait au lit et il ment. Ah, elle disait pas ça tout à l'heure. L'interroger sur. Oui, bah vas-y, viens danser, ouais. Demander d'un ton agressif ou aller cacher la montre. Mais non, mais c'est trop d'un coup là. Demander de pas ouvrir la porte. Trust me, just don't open the door. Ok. Ok, donc là cette fois elle a pas dit oui, je sais pas, pourquoi tu dis ça. Alors. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Demander pourquoi elle a menti sur son passé? You've been lying to me all this time? What? About your past, about your father. What? I don't know what you're talking about. Well, what about your father's murder? What is this? My father died of a heart attack, asshole. I don't want to talk about this. Man, this is not how I thought this night was gonna go. Ah bah moi non plus, hein. Qu'est-ce que je peux faire? Maintenant qu'elle sait, en fait c'est ça qui me ronge un peu là, c'est que là c'est bon. Elle se dit, c'est chaud. Donc voilà, on sait que orage plus bébé égale ok je te crois. Ok, je te crois, j'écris vraiment ça. Hein. Voilà. Merci Pixouille. Merci pour les 3 mois qui dit un plaisir de te soutenir depuis 3 mois, ça passe vite. Merci beaucoup, beaucoup Pixouille pour ces 3 mois de soutien et le changement de badge pour toi. Merci beaucoup. Encore une fois. Merci énormément et content que le temps que vous passez avec moi vous fasse du bien, que ce soit positif. Mais en fait, là, c'est trop direct. Autant là, j'ai réussi à trouver des lignes de dialogue qui permettent de fluidifier un peu le truc. Là, ça tabasse instant. Donc c'est qu'il me manque encore des trucs. Babe, stop lying to me. Where's the watch? You wanna watch your tone? Ah, elle a pas dit ça. Please, elle avait pas dit ça tout à l'heure. Oh, fuck off. Hey, we're done here. Non! Vous savez ce qui s'est passé? I know the truth. The truth about the watch, your father. What is this? All these accusations? We're done talking about this. Non, on n'est pas done. Mais non, on n'est pas done. On n'est pas done, puisque je... Mais je viens de te prouver par A plus B. Hey, how'd your father die? Well, bon, ça, c'est un peu mal fait. Conversation topic. He had a heart attack. It was awful. Non, parce que si je refais ça, elle va péter un boulon. Bon, je vais essayer. Hein. Excuse me? No. Fun question though. Real funny. Parce que là, il n'y a plus de sujet. J'ai épuisé tout ce que je pouvais. Ça, je pense qu'on s'en fout. Là, tout de suite. Ou alors, je peux ironiser le truc et lui dire ouais, c'est un bon moment pour le dessert.
Et là, elle va me dire, écoute, connard, ton dessert, tu te le mets au cul. Parce que si je continue avec ça, elle va se barrer. Elle va partir de l'appartement. Je suppute que le temps est arrêté quand je suis là-dedans. J'ai pas forcément envie qu'elle se barre. Là, juste, elle est au courant qu'il y a une time loop. Mais du coup, qu'est-ce que ça va changer dans son comportement? Rien. Elle va juste. Ah oui, elle ouvrira pas la porte, au moins. Je peux pas lui donner le couteau. Non, enfin, attention, évidemment, dans le chat, quand vous dites des trucs, mais non. Quand elle se barre, le flic l'intercepte. Après, peut-être que si elle se barre très tôt, le flic la voit pas. Donc plutôt que la tuer, peut-être que si je la vexe dès le début, elle part, le flic la voit pas, j'ai le temps de setup mon truc et je peux reprendre le téléphone et tout le bordel. Je viens d'avoir une idée, je suis horrible. ok, je suis horrible. Did you murder your father? What the fuck kind of question is that? Is this some kind of mind game? I'm not playing. Tell me, did you murder your fucking... Of course not! This isn't funny. You're scaring me. And now all these questions about how my dad died, and all this fucked up time ah, stuff... Ah, on n'est pas eu ça avant. I need to get some air. I'll be back. Mais le jeu il triche! Le mec il est là! I'm with the police. Turn around, please. What? Me? Yes, you. Hands behind your back. Let's go. Hold still. Not now. Stop! I'll come. Bonjour. Help me. Will you come help me? Don't fucking look at me. You don't get to talk right now. J'ai pas d'objet, moi, je peux rien faire, j'ai rien sur moi. Bah, c'est fini. Bon, on sait comment lui prouver qu'on est dans une time loop déjà. Juste, on manque d'éléments derrière pour qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Donc si je lui parle de sa fille, il me tue direct. Non, je peux rien faire, ok. Moi, je suis mort. Bon! Bon moment pour une petite sieste. Petit dodo, là. Petit dodo. Il est bien, le jeu, quand même. Hein. On a galéré à le régler au début, mais... Ok, alors. Après, je peux retenter la mutuelle, hein, mais... Je pense que la mutuelle, c'est... En fait, je me disais peut-être que si t'appelles dès le début... T'auras peut-être quelqu'un sur la fin et t'auras peut-être une info, le temps d'avoir une info ou l'ancien, mais en vrai, si t'appelles la mutuelle, ils vont jamais te donner d'infos sur le mec, tu sauras jamais rien. En vrai, je pense qu'il faut que je refasse le truc où j'arrive à électrocuter le mec pour récupérer ses affaires. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le torturer, le gars, je pense. Je vais le torturer. Ah oui, je vais me planquer direct, ça c'est une bonne idée. Par contre, ouais, me rappeler des trucs que j'ai dit que j'allais faire et que j'oublie, vous avez le droit. Hein. Ah oui, parce que là on est dans la situation où elle ne sait pas qu'il a quelqu'un. Elle sait pas que je suis là, donc elle va pas appeler à l'aide. Oui, donc c'est giga intéressant, ouais. Donc c'était vraiment un bon move de faire ça. Elle va pas appeler à l'aide, elle va pas me demander de l'aider. Yes, you. Hands behind your back. Contrairement à ce qu'elle fait depuis tout à l'heure. Hold still. Donc bon, il va voilà. Et du coup, on va voir ce qu'il fait. Peut-être qu'il va l'interroger, peut-être qu'il va lui dire ouais... Mais d'ailleurs, dans la première...
dans la première boucle, il l'interroge et il commence à lui dire ouais, où est-ce que vous avez caché la montre et machin, et depuis on l'a plus jamais entendu parler de ça. Hein. On peut discuter, c'est vrai que je cache des logs, faut que je les lise. Nous allons discuter. Je ne sais pas qui vous êtes, mais... Vous vous êtes trompé de personne, c'est une erreur. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Sortez. Merci, Kaguyi. Kaguyu, pardon. Un mari, un copain, une copine? Marie, il est au travail, il va rentrer d'une seconde à l'autre. Bon, bah rien que nous deux alors. Yes. Enfin... Oh! Votre père, un flingue, ça vous rappelle quelque chose? Pourquoi posez-vous des questions sur mon père? Allons, sautons ce passage. Je vous en prie, je vous le jure. Vous allez me donner sa montre. La seule question, c'est le seuil de douleur que vous arriverez à supporter avant de me la donner. Continuez à mentir, on verra à quel point je peux être créatif. Soyez honnête, vous saviez ce qui est arrivé. Aucune cavalerie n'est en route pour vous sauver. Si vous vouliez vivre, dites-moi où est la montre, c'est votre dernière chance. Under the medicine cabinet. Good girl. It's there. I gave you what you wanted. And I won't tell anyone. I swear. Ok, j'ai une idée. Je viens d'avoir une idée. You find it? Non. Okay, oui. Now, will you let me... What are you... Easy now. Deep breath in. No. No! Ok. Je peux pas faire ça, ce n'est pas comme ça. C'est pas comme si je t'avais vraiment perdu. Et le bébé, oh merde. Ça doit recommencer, j'en suis sûr. Ça doit recommencer. Rien de nouveau ici. Le revolver, je peux le reprendre. Si je sors, je recommence le jeu. Hein. Je dis avant que vous me posiez la question. Si je sors, je... Je recommence le jeu. Grille d'aération. Ouais. Parce que je me disais, attends, la grille d'aération, je l'ai pas vue. Hein. Parce que j'ai eu l'idée tout à l'heure, de toute façon, vous l'avez vue. Eh, par contre, ça fait plus que 12 minutes. Ah non, 12 minutes, ça sera là. Je suis con. Les empreintes sur le flingue, on s'en fout. Je vais recommencer le temps. Mais oui, du coup, je me disais, si j'avais vu une grille dans la salle de bain, je l'aurais fait, puisque j'ai fait toutes les autres. Il a laissé le gun, mais quel con. Bah pourquoi? Pourquoi quel con? Enfin, non, répondez pas, parce que vous allez peut-être me donner des indices ou j'en sais rien, mais non, pas quel con. De toute façon, il s'en fout, lui. Il veut faire passer ça pour un suicide. Oui, et puis il a des gants. Oui, maintenant on sait où est la montre dans la maison, du coup on va pouvoir avancer sur tout ça, c'est cool. Qu'est-ce que je peux faire d'autre en attendant? Je pourrais essayer de rappeler la fille vite fait, avec le temps qui me reste. Autant rentabiliser la boucle. Horrible. Imagine, tu vis ça quoi, tu dois tellement, mais... Oh, au secours quoi. Appeler Bumblebee. Et je vais essayer d'être moins direct. Hello? Hi. Oh, movie's about to start. Sorry, can't talk. Try me later. Mais réponds-moi en fait. Hey, sorry, I can't talk right now. Leave a message or just text okay. me. Ok. Bon, je peux pas rentabiliser mon temps. Très bien. Bon bah Micheline, désolé. Hein. Prends le bouquin.
Peut-être que ces clés, elles permettent d'ouvrir un autre truc. Ok, ça peut tarder à recommencer. D'ailleurs, c'est la première fois que je vais vivre une boucle jusqu'au bout. Donc je vais voir ce qui va se passer. J'essaie de réfléchir, hein. Je mets en pause pour lire le livre, ça sert à rien. Il dit juste un livre sur la méditation. J'ai envie de tenter un truc, mais est-ce que je... Non, je peux pas ressortir dans le couloir, ça va forcément me faire recommencer, ce serait dommage. Je veux voir ce qui se passe au bout. Parce qu'il y avait un livre rouge dans l'étagère à l'entrée, mais je pourrais très bien ne jamais le voir. Parce que je me dis, ça se trouve, il y a un truc secret dans l'entrée, je sais pas, je pense pas, en vrai, ça serait un peu bizarre. T'as pas ça chez toi, quoi. Bon, ça va, sinon... Jamais vu un appart aussi bien rangé, en tout cas, on voit que c'est un jeu vidéo, quand même. Non, elle a dit que c'était elle qui avait fait le rangement, c'est pour ça, Queen. Hop. Comme je vois des commentaires qui commencent par je sais pas si c'est du backseat, du coup je lis pas. What? Ok. Wait, but... Oh god damn it. God damn it. God damn it. Ok. Ok. Là, faut que j'aille chercher l'amulette. Ah, mais peut-être que l'amulette... Peut-être que l'amulette, ça va lui prouver direct que c'est bon. Je vais essayer ça. Prendre ça. Je vais revenir ici. Elle va me dire salut. T'es là, t'es rentré MDR. Je t'ai pas entendu rentrer. Meilleure soirée au monde. En fait, faut vraiment tout lire et tout interpréter, quoi. Tout. Ok, allume la lumière. Là, je vais lui dire la boucle. Il y a une boucle MDR. Merde. Il y a une boucle. Alors, est-ce qu'on a eu des nouveaux trucs? Non. En fait, les options qui ont déjà été... j'ai l'impression en tout cas que les options qui ont déjà été faites et qui n'ont pas de nouvelles options restent en grisé. J'ai l'impression que c'est ça. Donc ça aide quand même un petit peu. Ok. Ah, je peux... Ah, les options... Ok, donc c'est peut-être... Je vais choisir une preuve. Je vais tenter ça, du coup. Comme ça, on aura les deux en même temps. What about the vent? What about it? Yeah, nothing, I guess. Ok. Ok, good talk. Ah mais oui, parce que je l'ai pas encore prise, donc peut-être que la ligne de dialogue dans le jeu, elle est pas débloquée. Comme j'ai pas encore pris l'amulette dans mes mains, peut-être que le jeu se dit, il sait peut-être pas, peut-être qu'il a pas vu, ou peut-être qu'il est trop con, et que du coup, voilà. Ok, on va essayer ça. Le backseat dans le chat, attention. J'ai déjà essayé d'endormir ma femme. Et alors évidemment, je l'ai fait qu'une seule fois, donc il y a un milliard de trucs que je pourrais faire d'autres, j'imagine. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'as fait ça? Tu vas endommager l'appartement. Juste parce que tu... Je sais même pas ce que tu cherches, c'est bon, j'en ai ma claque. Elle s'énerve direct, hein. Je vois rien, une bougie. Est-ce que tu peux être chiant parfois? Ok, elle s'énerve, elle part instant. D'habitude c'est long hein, pour la faire partir quand même. Hein. J'ai sorti quand? Aujourd'hui, à 18h. Montre à gousset. Donc cette montre était à son père. Donc c'est la montre qu'on voit. Elle doit valoir une fortune. Excusez-moi madame, oui. Et moi je compte appartement. Mais il est bien trop tôt là. Mais... Ok, j'ai compris un truc. What's going on? I have a warrant right here. Babe, look at me. You don't get to talk right hey, now. Hey, who are you? Anyway, I have a warrant
right here. This will go easier if you cooperate. Mais il va se passer la même chose. En fait, je peux pas le prendre par surprise. What is this? Wait. No. No. Ah. Please don't stop. Oh, oh my god. Jesus fuck. 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 Okay, fuck. Fuck. Bon, du coup, je sais comment je peux prendre la... Ok, je sais ce que je vais faire, c'est bon. Il est nul ton gars, zéro pointé. Bon, il a réussi, il a réussi à bloquer un coup de poing, bravo. Bravo. Alors oui, non, attends. Avant, je vais me renoter un truc que je veux faire. Téléphone. Police. Il faut que je rechoppe le téléphone de la police, il faut que je lise plus de détails, parce qu'il y a beaucoup de messages. Il y a beaucoup de SMS. Ouais, salut. Est-ce que... Alors, je vais déjà aller voir si il y a une ligne de dialogue pour la montre à gousset. Je vais dire que vous savez ce qu'elle cache dans la bouche d'aération. Il dit que tu as tué ton père. Qu'est-ce que tu racontes? Faut que tu me dises la vérité. D'où est-ce que tu sors ça? Je suis désolé, je vis les 10 mêmes minutes encore et encore et encore. Alors, tu verras, je vais te le prouver. Fous de ma gueule? Te fous de ma gueule? In a few seconds, we'll hear thunder. I know the forecast said that it was going to be clear, but just wait and listen. Sure. I better wait for the thunder first. Eh, il faut vraiment entendre, ok. Non mais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ta femme, bon, tu la vois 25 fois en 10 minutes, bah voilà, le bonjour est moins jovial. So, when's it gonna start? Oui, bah... Deux secondes. Mais c'est bien, on avance, je trouve. Il y a des petits trucs qui se mettent en place quand même. Thunder. Oh, okay. Okay. En fait, je te crois. Donc là, elle me croit direct. Je sais pas par où commencer. Ah, va m'expliquer. Mon père n'était pas toujours l'homme qu'il voulait être. Après ma naissance, ma mère était accaparée par moi. Et j'imagine que mon père s'est senti peu importe. Il s'est mis à coucher avec ma nounou. À partir de là que ma mère a commencé à dépérir. Tout a changé après sa mort. J'ai tenu mon père pour responsable. Enfin, un peu de sa faute. Et je l'embêtais, beaucoup. On se disputait. Les personnes que vous aimez sont celles qui peuvent vous blesser le plus, pas vrai? Bon, bref, bon sang. Je sais que c'est dur, mais je t'en prie, il faut que je sache. Elle a un background. Oui. La veille de Noël. Il m'a surprise en train d'essayer de faire le mur. Et j'étais furieuse. Je l'ai juste embêté et provoqué un peu. Et il m'a frappé. Bon sang. Bref, j'ai vu rouge, bien sûr. Et il avait toujours des armes à proximité. Bon bah, je l'ai tué. J'en ai pris une. Et je lui ai tiré dessus. Et je me suis juste enfui. Je suis arrivé ici pour le nouvel an. Polaroid sur le frigo a en fait été pris une heure après mon arrivée ici. J'allais me rendre, mais c'était le nouvel an. Enfin, c'est une bonne excuse. Hein. Quelques semaines plus tard, tu es arrivé. Et ça se passait presque bien avant que tout s'achève aujourd'hui. Et là, elle me tue. J'ai tué mon père. Je n'aurais jamais pensé le dire à voix haute. Et maintenant tu sais tout. S'il te plaît, parle-moi. Alors, je vais parler du policier du coup. Oh là là! Oh là là! Attends. Attends. I need to think about this. Okay. T'as envie de parler?
Moi aussi. So do I. Oui, oui. I wanted to tell you... Je veux juste faire ça. Avant. Voilà. So then... Alors, maintenant qu'on est entre nous, dis-moi, pourquoi elle a menti sur son passé ? Bah, ça me paraît évident, donc c'est pas la première question que je veux poser. Lui demander pourquoi elle a tué son père, lui dire que vous la pardonnez. Ça n'a pas d'importance. Je te pardonne tout, absolument tout. L'important est que nous sommes là, l'un pour l'autre. C'est tout. Bien joué. Ouais, ça serait génial. Elle s'en bat les couilles. Très bien. Tu ne l'oublieras pas. Mais oui, mais voilà. Ces choses ne peuvent pas être pardonnées. Mais tu m'as rien fait à moi. Voilà. Demander pourquoi elle a menti sur son passé. Demander pourquoi elle a tué son père. Elle vient de l'expliquer. Ça, c'est vraiment un truc d'homme. Why'd you do it? J'en avais pas l'intention. So then, so the man at the door, he's gonna say he's a cop. He's who was talking about my dad? Yeah. Okay. Il m'a demandé pas ouvrir la porte. Don't open the door. Okay, I won't. Wait. You know what he wants. C'est ce qu'il veut? Oh, je suis pris là, je suis pris. So then... Où est-ce que tu as trouvé la montre? How'd you get the watch? Fucking watch. Cette montre était à ma mère. C'est mon grand-père qui l'a fabriquée. J'allais la voir en héritage. Enfin, c'est ce qui s'est passé, pas vrai? Après elle lui a retiré dessus. J'ai pas réfléchi. Elle était là et je l'ai prise. Alors, ça fait quand même deux trucs où, bon, voilà. Hein. Je la déteste tellement. C'est tout ce qu'il me reste de nous deux. Est-ce que je pouvais bien faire d'autre? Oui. Là, j'ai plus les lignes de dialogue avant qu'il arrive. Il va rentrer, il va tout défoncer. Hein. Voilà. Hop. I have a warrant for your arrest. Yeah, I know. This is more complicated than you think. Congratulations. Je passe contre terre, les mains derrière le dos. No, arms behind you. Don't move. Wait. Je vous en prie, écoutez. Ok. Je peux rien faire pendant ce temps, d'accord? Non, je peux rien faire. C'est vraiment en train d'arriver. Sir. Épouse. Hein? J'ai rien pour l'instant, ok. J'ai pas le couteau. J'ai rien à voir avec ça. Je sais que c'est pas vous, c'est une erreur. On m'a donc aucune utilité. Mais non, mais... Mais... Ok. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Faudrait que je puisse récupérer le téléphone du policier une nouvelle fois, ça serait pas mal. Je vais essayer d'appeler la jeune directe et essayer d'être moins frontal, je pense. Je vais le noter au cas où je le ferai pas sur cette boucle finalement. Appeler fille. Alors maintenant que je sais tout ça, il y a sûrement plein de lignes de dialogue qui se sont débloquées avec la femme. Très certainement. Après, j'ai pensé à un autre truc. Il y a un truc où je me suis dit, il faudrait que je teste ça. Si je récupère la montre à gousset en fermant la porte, et donc qu'elle ne sait pas que je l'ai récupérée... Ouais, non, mais elle saura que je suis là. Du coup, le mec n'ira pas la chercher dans la salle de bain, la montre à gousset. Parce qu'elle dira forcément que je suis présent. Et du coup, lui me cherchera et ce sera fini. Il n'y a pas de solution pour ça. Encore si elle allait se coucher à un moment donné, mais non, du coup. Je vais essayer de rappeler la fille pour voir. Là, vite fait. Bumblebee. Hello? Hey. Votre père affirme que ma femme a assassiné son propre père. Pouvez-vous m'aider? Vous en priez, il va lui faire du mal. Qu'est-ce que vous racontez? Pourquoi dire une chose pareille? Lui demander de l'aide. Pouvez-vous lui parler, s'il vous plaît? Il vous écoutera.
N'arriverait peut-être pas si ce n'était pas une meurtrière. Enfin, oubliez-moi. Ben dommage. J'étais caché dans le placard tout le long, alors. Et donc en fait, le placard est ouvert, je reste dedans, on me voit pas quoi. Ok. Ligne de dialogue. Est-ce qu'il y a des nouvelles lignes de dialogue ? Ah, attendez. Quand elle sent son bouquin, je peux lire. Why a book on meditations? I don't know. Je sais pas, ça m'a toujours intrigué. Mon père a toujours aimé ce genre de truc. Ma femme zen. Écoute, il y a une phrase. L'oubli est la seule manière de couper le fil du temps et de nous approcher de l'expérience du moment présent. Babe. Yeah, you're right, not my thing. Cool. Good talk, honey. As you were. L'oubli est la seule manière de couper le fil du temps et de vivre le moment présent. Ça sera peut-être utile à un moment donné, on sait pas. Alors, est-ce que je suis obligé... Enfin, pour que ça se passe en douceur, je pense que je suis obligé de lui reprouver que la journée recommence. Je pense. I'm stuck in a time loop and I can prove it. Right. Lui dire ce qui s'est passé, voilà. En fait, on prend des raccourcis. C'est ça qui est bien et que j'aime bien du coup là dans la construction du jeu. C'est qu'au fur et à mesure, quand on apprend des choses, au lieu de faire trois trucs pour prouver un truc... Bah on se retrouve au final, après avoir fait les trois trucs, à avoir une info qui permet de skip tout ça en fait. Ça j'aime bien. Oui, il est conscient de la boucle temporelle, puisqu'au début, à chaque fois, en fonction de comment t'es mort, quand il revient à lui-même, il est en mode « Ah putain, genre j'ai eu mal là, ou alors quel enfer, voilà. » Ok, oui, il est conscient, bien sûr. Look, I know how your father died. Tu sais comment est mort ton père. Comment il est vraiment mort. Je sais pas ce que tu penses, mais tu ferais mieux la veille de Noël. T'es surprise, t'as frappé. Comment sais-tu? Je ne pouvais pas le savoir, pas vrai? Tu me l'as dit dans une boucle précédente. Quoi? Écoute, je suis de ton côté. De mon côté? Bon sang. Écoute, je ne savais pas comment te le dire. Mais imagine comment tu dois te sentir, c'est horrible. S'il te plaît. Parle-moi. Ah, on en revient. Ah, ok, on en revient là. Donc ouais, on chante quand même un gros truc, hein. Et là, la musique devient stressante direct. Je me demande, si je lui parle pas, je lui demande ce qui peut se passer en vrai. And in the next few minutes, the cop is gonna be at the door. He's how you found out about my dad? Yes. Trust me. On peut faire ça, hein. Okay. Mais non, mais ça, on l'a déjà fait. On peut le refaire. On peut refaire parce qu'on n'a peut-être pas tout entendu. Peut-être qu'il y a des nouvelles infos, du coup, maintenant. Tu as découvert qui j'étais vraiment. Je voulais pas te perdre, c'est tout. On n'avait pas lu ça tout à l'heure. Hein. On n'avait pas eu le temps. Et nous y voilà. Bordel. Demandez pourquoi elle a tué son père. Je n'avais pas l'intention. Ah si, c'est juste que j'avais skippé les dialogues. J'ai jamais voulu te faire de mal. Je suis désolé, j'ai pas la force là. Et j'avais mis le verrou! Je l'ai pas mis. Excuse me, ma'am. Sorry. Will you follow me to your apartment, please? Elle sait que je suis là, ça marchera pas. No. Make a noise, and I'll break your arm. Back inside now. J'ai pas le couteau en plus. Ça marchera pas. Elle sait que je suis là. Elle va forcément parler de moi. Ça marchera pas. Thank you. What's going on?
I have a warrant right here. This will go easier if you. Je peux pas passer le temps pendant ce temps. Hold still. Ok. All right, let's get the. Help me. Will you come help me? Well, who come help you? My friends. So, someone is here. Ouais, ça marche pas. This is a mistake. Je peux rien faire. Hein. Babe. Je peux rien faire. J'ai rien sur moi. This is a misunderstanding. Look, I don't know. Now you, hands behind you. Don't move. Peut-être qu'il serait quand même allé dans la chambre en vrai. Je suis con là. Bah oui, je suis con d'avoir essayé ça. Ça se trouve, il serait quand même allé dans la chambre. Il aurait peut-être allumé la lumière. Bah oui, je suis con en vrai. You're under arrest for your father's murder 8 years ago. No. This is more. Wait. What is it that we're being accused of? Ouais, j'aurais dû attendre. En vrai, il y avait moyen qu'il s'électrocute. Please, no. Je vais retenter le lui parler de sa fille, hein, je pense. This can't be real. This can't be. Ouais, mistake, ouais, mistake. Ah, mais c'est vrai que je peux me relever. C'est vrai que je peux me relever, j'avais oublié ça. Peut-être que je peux lui mettre un Zidane. Je peux le Zidaner. Je peux le. Paf! Ok. Vas-y, donne-le. Mais j'oublie que je peux me relever. Je vais me le noter que je peux me relever. Se. Relever. Me note. Je peux me relever. Ok. Je vais réappeler la fille. Et essayer de voir l'autre option du lac. Mais en fait, le problème, c'est que tout à l'heure, quand j'ai appelé la fille, je me souviens pas en tout cas qu'il a engagé la fille en disant votre père va tuer ma copine. Semblait pas. Your dad says that my wife murdered her father. Can you help? Please, he is gonna hurt her. What are you talking about? Why would you say that? Après, c'est vrai que tout à l'heure, je l'avais un peu engagé en lui disant « Je sais que vous avez le cancer. » Donc, c'était peut-être pas la meilleure façon d'essayer d'engager la parole quand j'avais pas encore ce truc de « Votre père va tuer ma copine !» Listen, I'm trapped in a time loop and I can't figure out... Tcha-tcha-tcha. J'étais caché dans le placard. I didn't hear you come in. Oui, parce que j'étais caché, c'est pour ça. Oh bordel. Ça avance, mais en même temps... En vrai, je vais faire un truc. Je pense pas que ça m'aidera, mais je vais essayer. Je vais essayer. Ok. Si je ferme la porte... Je viens d'oublier. Non mais en fait c'est ça, oui voilà, elle dit pas tu fous quoi dans le placard chérie, donc c'est que finalement elle a peut-être juste l'habitude d'avoir un mec qui se planque dans le placard comme ça. Possible. On va fermer ça, comme ça elle ne verra pas que j'ouvre le truc. Voir si ça change quelque chose que je lui mette la montre à gousset dans le nez. Ok. La bougie. La montre à gousset. On y retourne. Hop. Bonjour. Je suis Russell. La montre à gousset. Trouvez ta montre dans la bouche d'aération. Hop. Qu'est-ce que? Un homme m'a dit que tu avais tué ton père. Un homme t'a dit que. C'est quoi ce bordel? Je sais pas comment dire. Mais écoute, je vis les 10 mêmes minutes encore et encore et encore. Quoi? Écoute, je sais comment est mort ton père. Comment il est vraiment mort. C'est pas ce que tu penses, et tu ferais mieux. C'est la veille de Noël, blablabla. Quoi? Écoute, je suis de ton côté. De mon côté, bon sang, écoute. Je sais pas comment te le dire.
Donc là, elle va dire oui, il faut absolument que tu me parles. Et là, la musique devient chelou. Merci, Evan. Merci pour les 6 mois. Merci pour le Prime qui dit déjà 6 mois. Ça fait toujours aussi plaisir de te soutenir. Merci beaucoup, Evan. Merci énormément pour le soutien. On est 750 subs sur la chaîne. Merci beaucoup. Merci énormément. Salut, Timon. Je suis désolé. Je sais que ça n'a aucune importance, mais c'est le cas. Je vais l'écouter plutôt que d'essayer de lui parler, en fait. Je veux bien dire quelque chose. N'importe quoi. Homme, manger ticket de caisse. Homme, pas parler. Homme, rien dire. Elle va me tuer. Non mais... Attends. Babe. La meuf met un pied dehors. Babe. Avant ça, pas de problème. Et à ce moment-là, problème. Homme pas aimé, problème. Excuse me, ma'am. Yeah? Follow me to your apartment. I'm with the police. Oh. All right. Ferme la porte, connard. Ok, ni vu ni connu. J'ai pas... Ah si, j'ai le couteau. Mais elle sait que je suis là. Ah, peut-être qu'il va faire bzit. On réessaye le bzit. Bzit. Help me. Will you come help me? Well, who come help you? My wrist. So, quelqu'un est ici. Tchon tchon tchon. This is a mistake. Babe. Je suis dans le placard comme ça. Look, I... Je suis pas là. You don't have to handcuff me. We can talk this out. You're making a mistake. Ah, il va pas dans la chambre. Hein. Là, il va là. Ça, on l'avait vu tout à l'heure. Ce qui lui laisse évidemment pas le temps de sortir et de lui défaire ses liens. Ah, il va là et il reprend. Ouais, c'est ça. Il va pas dans la chambre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il me semblait bien qu'il allait pas dans la chambre. Il est nul. Même par effet de surprise, il est nul à chier. C'est ouf, hein. Mais qui est mort, là? Je comprends rien. C'est un putain de bœuf. Très bien. Alors, qu'avons-nous appris aujourd'hui? Ah, salut Baggy. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Appeler la fille, ça ne sert à rien. Se relever avec les menottes, j'ai pas réessayé. Le numéro de téléphone, c'est fait. On arrive très facilement maintenant à prouver à la copine qu'on est dans une boucle temporelle. Ça, c'est plus un problème du tout. Je pense qu'il faut refouiller le téléphone du flic, en vrai. Je pense qu'il faut refouiller le téléphone du flic. Ça me paraît être la meilleure solution. Du fait, le seul moyen rapide que j'ai trouvé de faire ça... Ah, c'était soit... Merde, il est trop tard. La question que je me pose... Enfin, que je me posais... Vous allez pas le croire, mais je l'ai oublié. J'ai oublié la question que je me posais, bordel. Je m'étais dit... Est-ce qu'on a déjà fait ça? Et je voulais vous dire, est-ce que j'ai déjà fait ça? Et j'ai oublié ce que je voulais vous demander. C'est bien, hein? Qu'est-ce que je voulais essayer? Il fallait pas qu'elle me voie. Dans le truc que je voulais faire, il fallait pas qu'elle me voie. Oui! Quand elle ne sait pas que je suis à la maison et que le mec est là, qu'est-ce qui se passe? Il vient, elle lui dit la montre à gousset est dans la salle de bain, il prend la montre à gousset et il la tue. Et après, il repart. Oui, donc en fait, je peux pas récupérer son téléphone comme ça. Non, malheureusement, il n'y a qu'une seule solution.
Comme ça, gratos. Je peux le faire plus tard, je suis pas obligé de le faire maintenant. I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who made. Let me know when you're in the mood. Yeah, I will. En fait, je voudrais regarder s'il n'y a pas des nouvelles sans que je l'ai aggro au début. Eh, ça, j'ai pas, hein. L'interroger sur sa nounou. Your nanny. What do you remember about her? Bon, c'est un peu direct, hein, monsieur. J'avais 2 ans quand elle est partie, je me souviens pas d'elle. I don't remember anything about her. Tiens, tiens, tiens. Ouais, donc ça, en fait, ces options-là, c'est pour la faire craquer et essayer d'aller vers ce qu'elle veut pas nous avouer. Mais en vrai, ça ne sert pas à grand-chose maintenant, mais on sait jamais. Nanny from your father's affair. Affair? La liaison? Qu'est-ce que tu fais? Tu me fais peur. C'est quoi ton problème? On est ma claque. Non, non! You have more questions? Trouve-toi quelqu'un d'autre. Mais non, mais arrête! Non, mais reviens! Babe! 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 Bah, du coup, c'est mort! Oh, fuck me, are you serious? Bon. Écoutez, y'a qu'un choix. Ce pot de fleurs, bordel. L'homme pot de fleurs. Est-ce que je peux péter la tasse? Seriously. Non. Ah, si. Bon, ok. Je peux pas. Je peux pas. Canapé. Est-ce que je peux éventrer le canapé? Ça se trouve, il y a un truc dans le canapé. Nope. La mutuelle, ça sert à rien de la rappeler. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Est-ce que j'ai un autre choix que de la rebuter là? Elle sort de la salle de bain, elle voit son mari éclater le canapé. Et d'ailleurs, ils ont pas de télé. Surprenant. Surprenant. Il y a un truc à faire avec ça ou pas? Il n'y a rien. L'évier. C'est vrai que le chiotte. Le chiotte, on voit vite fait, on voit très rapidement. Non, mettre la montre à gousser dans les chiottes, ça sert à rien. Ça va pas m'avancer. Ça va pas m'avancer de mettre le. La montre à gousser dans les toilettes. Elle s'en fout. Après, je peux lui mettre des somnifères pour qu'elle dorme. Pour l'instant, ça m'a pas servi à grand chose. Mais en même temps, j'ai essayé qu'une seule fois. Et elle va se coucher systématiquement dans le lit. Ah, mais peut-être que pour la sauver, pour éviter de la tuer, peut-être que je peux. Décolle pas, elle s'en sert. Elle vient de mettre la tasse dans sa poche. Ah, il est trop tard du coup. Ouais. Ma tasse est vide. Ah merde, elle vient de boire. Du coup, je pense qu'elle va plus boire du coup du tout. Je suppose. On peut essayer. On peut essayer. On peut essayer ça. Je vais prendre les somnifères. On va les mettre dans la tasse. Et on va retenter, on va tenter quand même de l'endormir. Voir. Est-ce qu'elle va boire quand même? Elle vient de boire, donc je suis pas certain qu'elle boive vraiment. Parce que si c'est le cas, il y a moyen que le mec allume la lumière. En allant dans la chambre, s'il pense qu'il y a personne. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, la vision plongée, c'est comme ça tout le long, ouais. Ok, le pot de fleurs, on peut le défoncer aussi. Je sais pas si c'est un quelconque but, mais on peut le défoncer le pot de fleurs. Je pense pas qu'elle va boire encore. Le problème, c'est que si elle boit pas, cette boucle va servir à rien. Euh.
qu'est-ce que je peux faire de plus sur cette boucle? Qu'est-ce que je peux tester là éventuellement? Je peux mettre des trucs dans le chiotte, mais vraiment pour l'instant je vois pas l'utilité que je pourrais avoir de mettre un truc dans le chiotte quoi. Y'a rien que j'ai envie de mettre dans le chiotte. Qu'est-ce que je peux faire? Les tableaux m'intriguent de ouf aussi. Mais bon, du coup je pense que c'est que de la déco. Je pensais qu'il y aurait des énigmes avec les tableaux ou quoi, mais en vrai non. Elle va pas boire, hein. Let's talk later. Attends, j'ai une idée. J'ai une idée pour la faire boire. Oh, we gotta clean that closet. Okay, let's sit. Great. Ok. Elle va aller chercher le cadeau. C'est terrible. Hein. C'est terrible. Hop. Je vais faire ça aussi parce que sinon elle va le faire, on va perdre du temps. Ok. Et je vais l'attendre là. Allez, comme ça elle va boire, elle va se sentir fatiguée, elle va aller dormir. Et j'aurai peut-être le temps de... Oui mais elle a rallumé la lumière. Vu qu'elle s'est enfermée. Babe. Ooh, shit, I know that really hurts, I'm sorry. But you'll be okay, you're gonna wake up in a... Second, you're not wearing shoes. Oh, pas de chaussures. Fuck, I'm so sorry. Ah, elle porte pas de chaussures. C'est pour ça que le flic, ça le tue pas. Ah oui, elle est morte du coup. Ah mais oui, c'est pour ça que le flic, ça le tue pas. Parce qu'il a ses chaussures. Donc faudrait que je mette un panneau à l'entrée. S'il vous plaît, si vous êtes policier, n'oubliez pas de retirer vos chaussures, s'il vous plaît. Deux fois, s'il vous plaît. Comment elle est morte? Elle s'est pris le... Oui, si vous avez pas tout vu, vous comprenez pas. Mais en gros, là, il y a une prise pour allumer la lumière. Et elle est un peu défectueuse. Et quand on l'ouvre une deuxième fois, la prise électrocute la personne et elle meurt. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on arrive à tuer le flic. Mais du coup, là, c'est la fiancée qui a tout pris, quoi. Police, open up. Puis là, je peux rien faire. Hein. Oh, je peux peut-être tenter un move like Jagger. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Ouais, on sait pas ce qui se passe du coup si... I have a warrant. Open up. On va essayer. Ouais, je l'ai fait qu'une fois tout à l'heure en fait. Et c'est ce que j'essaie de refaire là, mais juste j'ai pas été assez rapide au début de la boucle. J'aurais dû laisser ouvrir la porte, il serait rentré plus vite. Donc là, ce qu'il faut que je fasse... je vais juste attendre, parce que c'est jamais arrivé qu'il rentre, qu'il voit qu'elle est morte, et qu'il repart vivant, en fait. Donc je vais voir ce que ça fait. Anyone home? On va voir. Hello? Police? Ça se trouve, il va juste sortir, il se passera rien, mais au moins on verra. C'est une situation que j'ai pas encore vécue, donc. Et puis en plus, tout à l'heure avec le flic, je m'y suis très très mal pris. Hein. D'ailleurs, j'ai toujours pas torturé, on va faire ça après. On va le torturer, le flic. Mais donc là, il voit qu'elle est morte. Il veut mettre la lumière. Ok. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Merci Kevin. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais voilà, je me doutais qu'il allait me voir dans la porte. C'était logique. Pour que ça se termine, sinon la boucle se termine pas en fait. Ah hop, hop, hop.
Non, c'est lui qui saigne. C'est lui qui saigne. Non, mais c'était bon là. Il y a aucun moment où je gagne le 1v1 en fait. Vraiment, hein. Il y a aucun moment où je vais gagner le 1v1. Merci Kavikari pour les 6 mois. Et tu me dis 6 mois justement, merci beaucoup. Aïe 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 aïe. Ah, il est nul hein, il est nul. Récupère les deux tasses. Au moins, elle pourra pas boire. Je vais remplir la tasse d'eau. Salut. L'heure passe tellement vite en vrai. I didn't hear you come in. Not. Okay. Ok, ok. Alors là, tac. Armoire à pharmacie. Tu prends ça. Tac, tac, tac. Voilà. Elle va faire dodo. Elle va faire dodo. Voilà. Je suis sûr aussi que si je déplace certains objets, il y a peut-être moyen qu'il se passe des trucs, je sais pas trop. Les grilles d'aération, il y avait rien dedans ou on voyait pas? Oui, je sais qu'elle va trouver ça bizarre, c'est pas grave. C'est pas le truc le plus bizarre qu'elle verra aujourd'hui. Hein. Is it broken? Man, is it like super gross in there? Et là, elle doit transpirer. Elle doit se dire, mais attends, s'il commence à éclater toutes les grilles d'aération, je suis dans la merde. Superbe. Superbe. Bois un coup, hein. Oh, thanks. Ah, de rien. De rien, de rien. Tiens, mais je suis fatigué. Faut pas que je touche à ça. Parce que je sais pas si voilà. Qu'est-ce que j'ai pas exploité encore? J'ai pas exploité le toilette. J'ai pas exploité le toilette. L'évier ici, on l'a pas exploité, il sert à rien pour l'instant. Là-dedans, il y a le téléphone. Pour l'instant, il me sert à rien, mais là, je vais essayer de récupérer le téléphone du flic. Le flic, je vais le tuer en vrai. Je pense vraiment que je vais le tuer, ça me laissera tout le temps de consulter le téléphone. Hein, parce que tout à l'heure, j'ai fait l'erreur de le laisser en vie. Mais en vrai, je pense que je vais le tuer. Réfrigérateur, hein. De toute façon, il n'y avait rien. C'est là que ça lag. Vous voyez, quand je suis dans le frigo, en fait, ça lag. Il n'y a pas d'autres boutons. Ah, c'est vrai que le Polaroid, tiens. Polaroid, on l'a pas regardé depuis le début du jeu. New Year's Eve, 8 years ago, just less than a week after she showed her father. Je peux pas imaginer ce qu'elle a pu traverser. Donc on a eu plus de détails quand même. Oula, le poignet là. Hey, I finally remembered to put the spare key outside. Ok. Faut attendre qu'elle dorme. Je peux rien faire de toute façon d'ici là. J'ai le couteau sur moi. Clé de la maison. En fait, là, j'ai du mal à voir ce que je peux faire de plus. En vrai, je pense qu'on va trouver des trucs pour avancer dans le téléphone du gars, je pense. Je pense. Il y aura sûrement des infos qui permettront d'amadouer un peu sa fille et peut-être de lui parler un peu plus facilement. Elle a pris les somnifères? Ouais, j'ai mis les somnifères dans l'eau. Hein. Non? Non, non, je vais pas donner le verre. Celui-là, il est vide. Le verre, il était plein. Non, non, c'est celui-là. Juste, ça met un petit temps à faire effet, c'est tout. Ça devrait plus tarder, là, mais... Vous inquiétez pas. Oh, we gotta clean that closet. Prendre le téléphone au cas où. Y'a rien d'autre ici. Hein. J'ai pas une bougie sur moi. C'est vrai que dans ce placard on voit rien, ça se trouve y'a quelque chose en bas. Le somnifère, tu peux en mettre autant que tu veux dans le verre. Enfin, tout à l'heure, en tout cas, j'ai remarqué que le somnifère, quand tu le mettais dans le verre, tu gardais quand même le somnifère. Il met pas toute la boîte, il en met un. Hein. Le principe, c'est qu'elle dorme, pas qu'elle meure. Enfin, je sais que voilà, ça peut paraître étrange, mais. Les vêtements.
Et du coup, si la bougie... I don't have enough space to drop it. Ouais. J'imagine bien. I don't have enough space to drop it. Ouais, donc là, il veut bien remettre le téléphone. I don't have enough space to drop c'est it. Le téléphone ou rien, quoi, ici. Ok. Le téléphone ou rien. Ok. La cuillère. Qu'est-ce que je peux faire de la cuillère? Peut-être on pourra faire un truc avec la cuillère, on sait pas. Enfin, peut-être une nouvelle option. Mais par contre, ouais, vous êtes en train de me faire douter, mais j'ai bien mis le somnifère dans l'eau, on est d'accord? J'ai vraiment fait une boucle pour rien, là. Police, open up. Salut! Police, I have a warrant for your arrest. On the ground, now. On y va, hein. Je pense pas en vrai, mais il me semblait. Hein. You can't just come in like this. Ah, je peux me relever, tiens, je vais essayer ça. Put your hands behind your head. Can't hold still with my hands. Don't fucking move. Can't just. Oula! Sir. Sir. Mais frappe-le, fais un truc! Sir. Elle est morte. Sir. Sir. Pourquoi je peux pas le Zidaned? Pourquoi je peux pas le prendre? Enfin pas le prendre mais du coup mais lui mettre un gros coup de boule. Alors qu'à la base je peux juste la planter et c'est bon ça marche tu vois. Mais je veux essayer d'autres trucs quoi. Pas grave. Pas grave. Mais le perso il est nul hein. Vraiment c'est incroyable hein. J'ai rarement vu Elle a pris une patate, elle est morte direct hein. Genre elle est pas y a pas eu d'entre deux quoi, c'est I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who made dessert. Let me know when you're in the mood. Yeah, I will. C'est vrai que je suis pas chauve. Du coup, il y a peut-être un monde où les cheveux amortissent le choc et du coup ça marche moins bien. Donc là c'est bon. Tasse avec des somnifères. Le flic c'est peut-être One Punch Man. J'avoue. Ok. Je suis setup. Bois. Tu as très soif je vois. Là on est bon là. Là on est bien. Là on parle. Alors, fatigué là? Le pire mec. So tired all of a sudden. Oh, just gonna lie down for a sec. Le pire, c'est que je sais même pas si ça va marcher. C'est ça le pire. Ferme la porte. C'est pas vraiment une bonne manière de dormir dans un lit, ça, madame. Bonjour. Ok. On sait au cas où. Donc elle a pas allumé la lumière. J'ai peur. Ok. Donc maintenant, je peux repartir. Fermez la porte. Est-ce que je reprends la montre à gousset au cas où? Je reprends la montre à gousset au cas où. Juste, si jamais elle parvient quand même à se réveiller, on sait jamais, puis qu'elle lui dit où il est, je serai un peu vénère. Ça permettra peut-être de faire une ligne de dialogue en plus. Le temps que Jean-Michel il arrive. J'ai pas fermé la porte-clé. Ok. Non, c'est pas un piège. En vrai, ça c'est juste un plan B si jamais elle se réveille et qu'il lui parle quand même. C'est juste un plan B au cas où vraiment elle se réveillerait quand même.
Mais le plan A, c'est pas ça. C'est pas ça que je suis censé faire. J'essaie de rentabiliser le temps que j'ai, en fait. Je reprends même ma bougie, quoi. Je sais, il y a peut-être moyen avec la bougie d'attirer l'attention du gars. Faudrait que je teste pour voir, genre si je mets une bougie là. Peut-être qu'on va pouvoir attirer son attention. J'en sais rien, peut-être qu'il va s'arrêter une demi-seconde et que ce serait peut-être la demi-seconde où je pourrais lui sauter dessus, j'en sais rien du tout. Bon du coup, non faut que je ferme parce que je suppose que si je laisse ouvert, il va supposer que quelqu'un est dedans. Donc il faut que ce soit fermé. Tout est fermé, j'éteins la lumière. Je me cache dans mon petit placard. Et quand il sera zap zap, on y va. Now we wait. Ça c'est marrant. Quand le jeu sait qu'il se passera rien tant que t'es là, il te fait passer, c'est cool. En vrai, vous m'avez donné envie de mettre le dessert sur la table juste pour voir s'il est en mode bon, je vais taper dedans quoi avant de partir. Vu qu'il y a personne, le mec il met son ADN partout quoi. Ah, s'il est bon le gâteau. Le seul truc, c'est que je ne sais pas si, comme elle est inconsciente dans le lit, il va réagir de la même manière, c'est-à-dire allumer la lumière. Ça se trouve, il va dire c'est bon, elle est là, je la prends et je la fous là-bas et je l'interroge. C'est vrai que j'ai pas fait de pipi de sécurité avant de partir, là, avant de me mettre dans le placard. Anyone home? Hello? Police. Soyons attentifs. What the? Yes! Ma femme n'est pas morte! Et lui, il s'est fait électrocuter! Ça marche. Ça a marché. Ok, je prends tout. Je prends tout. Hop, tac. Déjà faire ça. Ensuite, est-ce que le deuxième sert à quelque chose? Tout à l'heure, j'ai pas voulu le faire. Il est déjà noté, ok. Mais il y en a quand même deux. Donc peut-être que ce sera utile. Alors, je voulais le torturer. Il y a un deuxième couteau. Je voulais le torturer. What? Oh! Don't. I have a daughter. Alors? Ah merde, il est mort. Mais moi je voulais... Moi je voulais juste le... En plus il a dit j'ai une fille. Merde. Mais je voulais juste le torturer moi. No. No. Alors. Bonne chance pour aujourd'hui, j'ai vu que tu es... Ah, papa n'oublie pas de... Appelé avant la séance, d'accord. Tu oublies toujours et après je suis trop fatigué. Bonne chance pour aujourd'hui, j'ai vu que tu étais stressé. J'aurais aimé que tu sois là, le cancer ça craint. Donc ça on l'avait lu. Je m'excuse aussi d'avoir été aussi agressive. Je suis juste exténué. Je suis contente que tu continues à m'écouter et de pouvoir te faire changer d'avis. Je t'aime papa, bisous. C'était aujourd'hui. Nos tentatives répétées de percevoir le montant de votre solde dû n'ont pas abouti. Votre compte dépend désormais d'une agence de recouvrement externe. Afin de ne pas entacher une future enquête de solvabilité, veuillez... contacter immédiatement pour acheter. Mais oui, il faut que j'appelle avec ce numéro là. Gros con man. L'hôpital vient d'appeler, ils veulent te parler au sujet des factures, tout va bien. Je leur ai dit de t'appeler. Bumblebee, Bumblebee, Bumblebee. Je suis stressé moi aussi, je veux que tu m'écoutes. On va s'en sortir. Ok.
J'aimerais que tu sois là, beaucoup notre maman. Maman serait fière de toi. Tu m'aides à être forte. Je déteste cette sensation après la séance. La chimio, ça craint. J'aimerais que tu sois là. Ok. Ok. Et si j'appelle la mutuelle avec ce portable-là? Thank you for calling Blue Care First. This call may be monitored or recorded for quality assurance and training purposes. All representatives are currently assisting other customers. Please stay on the line and the next available representative will assist you. Il faut rester, vous pensez? Parce que là, je perds du temps. Il me reste 2 minutes. Est-ce que j'aurais plus de chance maintenant? Sure, sure. All represent. Please stay on the line and then. J'ai pas lu tous les messages. J'appelle une mutuelle parce que peut-être qu'avec mon numéro de téléphone, je sais rien, peut-être qu'ils me diront un truc, je sais pas. Je sais pas, peut-être que ils pourront. J'en sais rien. S'ils me demandent mon numéro de dossier, je dirais bah je sais plus. Ouais, mais j'ai pas mon nom, j'ai pas mon prénom. Dans la vraie vie, jamais ça marche. Dans la vraie vie, jamais ça fonctionne. Ah putain, je sais! Faut que je m'appelle moi! Mais oui, faut que je m'appelle moi, du con, comme ça j'aurai mon numéro! Hey, I can't come to the phone right. Et maintenant, je reprends mon téléphone. Il est où mon téléphone? Mais il faut que j'appelle la fille! Mais vous m'excitez! Téléphone. Comment ça? Ah, mais non, c'est son téléphone à elle! Faut que j'appelle la fille. Oh, j'appelle le mutuel, tu sais. Oh, Dad, the movie's about to start. I'll call you back later. I told you to call me earlier. Love you. Hey, leave a message or just text me. Conclusion de cette journée. Alors, est-ce que je pense que je vais refaire une loupe quand même, parce que là on s'emmerde. Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Endormir ma femme ou la tuer, c'est pareil. Le résultat est le même. Il se passe la même chose. Ma femme ne se réveille pas avant la fin des 12 minutes, donc il n'y a aucun intérêt, je peux pas genre la mettre face à la situation, et voilà. Deux problèmes. J'ai tué le flic. Parce que j'ai malencontreusement tiré 2 balles dans les pieds. Voilà, tendon d'Achille. Du coup, ce que je peux faire, c'est réessayer la même strat, sauf que je le tue pas. Je lui tire dans les jambes, comme ça, il bouge pas trop, et voilà. Bah ça arrive, bah je veux dire, voilà, t'es en manque de sucre, parce que t'as pas mangé le gâteau de ta femme, t'as l'œil qui comme ça, qui frétille un peu, et bah voilà, tu tires, enfin t'appuies sur la gâchette. Ça arrive. Est-ce que je retente? C'est beaucoup plus chiant, mais c'est plus éthique. Je vais réendormir ma femme, histoire qu'elle ne vive pas ses horreurs. Même si, bon, elle aura oublié la prochaine boucle. Évident. Le plan me paraît bien. Et le truc, c'est qu'il faudrait que j'appelle sa fille direct. Parce que là, je me suis fait avoir. I didn't hear you come in. Best night ever. Guess. Let me know when you're in the mood. Yeah, I will. Ok. Je vais dans la salle de bain. Je prends les bidules. Les somnifères. On met les somnifères dans l'eau. J'avais dû skip l'animation tout à l'heure, c'est pour ça. C'est pour ça que ça n'a pas dû marcher. Au niveau de l'interrupteur. Lors de bain. Ah bah sans ça, ça aurait été compliqué. Donc là, elle va boire un coup. Elle va s'endormir. Une fois qu'elle est au dodo, je mets l'interrupteur, je vais dans le placard. Et on sera bon. Salut Benji. Et on sera bon.
Est-ce qu'il y a d'autres trucs? En vrai, je vois pas d'autres trucs à tester là. Hein. Bon, tout à l'heure, quelqu'un a backseat dans le chat, donc je vais tester le truc qui a été backseat, même si je pense pas que ça marchera. Je pense pas qu'on puisse prendre ça et mettre là-dedans. These pills are huge. Non. Ok. Les bougies. La chambre, j'ai quand même peu utilisé en vérité. Hein. Là, on sait que le pot de fleurs, on peut l'exploser. Je sais pas à quoi ça sert. Il y a le cadeau dans la commode. En attendant qu'il arrive. Je vais prendre la montre. Et comme ça, si le flic il est par terre et que je peux l'interroger, je pourrais peut-être lui montrer la montre et lui dire c'est ça que vous cherchez. Hein. Après, j'ai pas besoin de lui montrer, en vrai, normalement, il va juste me dire, bah ouais, je cherche une montre, connard. Mais bon, c'est jamais. Merci les modos, hein, d'être réactifs comme ça, je vois que des messages se font supprimer, du coup je tourne la tête pour ne pas les lire. Merci à vous. Et la salle de bain, pareil, j'ai toujours les chiottes dans lesquelles on peut mettre un truc, et tirer la chasse pour le faire partir, et ça sera forcément une mécanique à utiliser à un moment donné. Mais visiblement pas pour l'instant. Ok. Maintenant que j'ai la montre. J'ai la montre. Oui. Elle s'est endormie dans le bon sens cette fois, tiens. Ça sert à rien, je sais pas pourquoi je fais ça. Je vais quand même regarder cette grille là, tiens. Peut-être que tout à l'heure finalement j'avais pas. On voyait pas. Peut-être. Non, c'est bon. Non, par contre, tu m'enlèves ça. Hein. Je veux pas risquer que ça la fasse qu'il allume pas la lumière. Ok, il y a le fauteuil là. Le fauteuil, a priori, il y a rien. Ok, bon, elle fait dodo. Le plan est prêt. Qu'est-ce que je peux essayer de faire d'autre? J'avais dit que je pouvais essayer de mettre le gâteau au chocolat pour voir si ça attirait son attention. Ok. Ensuite, bah je vais dans le placard de toute façon. Ouais. Le verrou, ouais, excellente idée. J'avais oublié le verrou. Interrupteur. Et on est d'accord que le numéro de téléphone. Mais alors, en fait, il y a une question existentielle que je me pose et qui en vrai m'aiderait beaucoup. Où est mon téléphone? Parce que là, le téléphone que j'ai, je pensais que c'était le mien, mais non, c'est celui de ma femme, puisque dans le numéro, c'est écrit Marie, donc Marie, moi. Mais où est mon téléphone à moi? Parce que ça m'aiderait quand même beaucoup de l'avoir. Ça se trouve, il y a une ligne de dialogue au début du truc, au début du jeu, qui dit genre « j'ai oublié mon téléphone chez moi » ou « au boulot » et voilà quoi. Je pense pas qu'on ait d'indice sur ça, je pense pas. Parce que c'est vrai que si j'avais mon téléphone, j'aurais le numéro du mec et je pourrais peut-être l'appeler en avance. Mais je pense que c'est voulu qu'on puisse pas... Parce que le numéro de la copine, on le connaît pas non plus. On a appelé mon numéro. Mais oui, mon numéro, le mari du coup, pas elle. J'ai mangé un bout pendant ma pause, je viens d'arriver au travail, ça va mieux. Peut-être fermer ça quand même. Police, open up. Non mais c'est vrai qu'il est où mon téléphone? C'est vrai que c'est bizarre que mon personnage n'est pas... Ah ok, mon personnage n'est pas son téléphone. Quand j'appelle mon téléphone, je tombe sur le répondeur. Donc c'est que mon téléphone doit être éteint. Après avec le téléphone ça aurait été plus simple, donc c'est peut-être normal que le téléphone soit pas là. Ok. Open up.
Bon là je pense que je stream encore au moins 2 heures. Je pense. Je suis trop dedans là. Je dis direct hein, sur le stream, demain après-midi je streamerai le jeu. Demain après assez tôt, hein, dès que je peux dans l'après-midi, je restream le jeu jusqu'à 20h, 20h30. Il y a vraiment moyen que je l'ai fini d'ici 20h30 je pense, hein, demain. Tout sera sur YouTube. Anyone home? J'ai tellement cogité cette nuit, c'est sûr. Hello? Police? On voit des petites tapettes à souris là derrière la porte. Tac 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 tac. Oui, le gosse, quel enfer. Zap. What the... Putain. Oh putain. Là, je suis franc. Hein. Là, j'y vais direct. Hein. Ok. Le policier, sans connaissance, on lui prend. On lui prend tout. On revient en arrière. On prend ça. On lui met les liens. Ok. Puis, on prend le pistolet. Je lui tire dans la jambe. Une fois. Déjà, ça lui passera l'envie de se lever. Et ensuite... Voilà. Stop crying, listen up. Écoutez. Ah! Je lui mets la pression d'abord. Fille est malade. Ne dites pas un seul mot de plus. Détachez-moi tout de suite. Merci Kizen pour le follow, bienvenue. Bienvenue, la montre. Pourquoi voulez-vous la montre? Il vous faut un médecin. Je pense aussi, et si vous me forcez la main, je vous ferai encore mal. La montre. Vous avez une idée de ce qu'elle vaut? L'argent? C'est pour de l'argent? Oui. Vous n'êtes vraiment au courant de rien. Au courant de quoi? Votre femme, son père, c'est la seule famille que j'ai jamais eue. Vous le connaissiez? Connaître? Il m'a tout appris. Quoi? Il était là pour moi quand personne ne l'était. Et ce monstre l'a tué. Hein? Quoi? D'accord? C'est lui, Zuko. Ta fille est malade, t'as plus une thune. Et à tout moment, je peux résilier ta mutuelle, donc fais pas le malin. Et dis-moi pourquoi je revis le jour sans fin depuis des heures. Direct. Alors, et puis... et puis, nouvelle règle. L'interroger sur les liens avec son père. Mais c'est son père, n'est-ce pas? On était très proches. Il m'a beaucoup appris. Je dois bien ça. Maintenant, pouvez-vous me détacher, s'il vous plaît? Bah, je peux te dire que... T'es pas là d'être détaché, mon coco, hein. Vous êtes vraiment au courant de rien, n'est-ce pas? Il y a 8 ans, elle a tué son père de sang-froid. Oui, mais là, il agit comme s'il ne savait pas, alors que je sais qu'elle l'a fait. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait que je l'interroge sur ça avant? Pour en avoir vraiment le cœur net? Mais non, mais c'est débile. J'ai déjà fait dans les boucles précédentes, je suis censé m'en souvenir. Pourquoi il y a Nounou qui pop? Parce que la Nounou est devenue la je sais même plus, c'est l'amante ou la femme du coup du père. Je crois que c'est la femme du père quand la mère est morte. Je crois. Why are you still after her? It's been so long. I never stopped. J'ai jamais arrêté de chercher, j'ai enfin reçu un tuyau. Ça m'a conduit ici. Interrogé sur le tuyau. La montre à gousset qu'elle a volée. Elle a essayé de la vendre. Le prêteur sur gage nous l'a dit. Ah, tchot tchot tchot. Tchot 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 tchot. Oui, la maîtresse, quoi, vous avez compris. C'est sûr qu'elle l'a fait. Le même flingue, la même pièce, c'est évident. Elle lui a tiré dessus. Parce qu'elle aurait pu me mentir encore, la veille de Noël, il y a 8 ans.
ça ne l'a pas tué. En revenant du nouvel an, elle est revenue, elle l'a achevé. Hein ? Deux tirs à bout portant, sans pitié. Hein ? Elle m'a dit qu'elle s'était enfuie la veille. Mais le jour du nouvel an, elle était à la veille du nouvel an. Soit des centaines de kilomètres de là quand il est mort. Mais bien sûr, prouvez-le. C'est une meurtrière, le meurtrier mente. Il n'y a aucune preuve. Si, j'ai la photo ! Attends. Mais si, j'ai la photo. Je tente ça, tant pis, de toute façon, c'est facile à refaire cette situation. La photo. Oui, bah, you're a monster, c'est bon au bout d'un moment. Mais non, mais on s'en sort, voilà. T'as autre chose à foutre. Bon, la porte d'entrée, Nick. Hein. La photo. Non, qu'est-ce que. Look at this picture. Regardez cette photo. What about it? Qu'est-ce qu'elle a ? Look at the date. Regardez la date. 31 décembre. C'est le jour où elle l'a tué. Non, c'est le jour où il a été assassiné. Elle se trouvait à des centaines de kilomètres de là. Je ne comprends pas. Sans rire, c'était pas elle. Elle l'a pas tué. Qui aurait pu tuer son père ? Je ne sais pas. Tout la désigne. Ok. Que savez-vous sur la nounou ? Qui ça ? La nounou, avec qui le vieux a une liaison. Que savez-vous d'elle ? T'en fous de la nounou ? C'est il y a des années. Ok. Stop crying, listen up. Ah, j'ai plus rien là. Et peut-être que maintenant, si je lui enlève les liens, peut-être qu'il va coopérer ? Non ? Alors, j'ai de gros doutes hein, sur cette. Voilà, mais. peut-être qu'il va coopérer maintenant. Attendez, peut-être que si devant lui, alors qu'il est vivant, j'appelle sa fille. Merde, c'est pas le bon téléphone. Ah bah oui, bah c'est emmerdant, j'ai qu'une poche. Ah ! Oh là là, YouTube, ce cliffhanger, je te laisse sur ça. Incroyable. Retournement de situation. Ma femme. Et retourner, on pensait qu'elle était retournée tuer son père, mais non ! Finalement, elle pensait, écoutez bien, elle pensait avoir tué son père, mais en fait, non, il n'était pas mort. Et le lendemain, quelqu'un est venu tuer son père. Sauf que depuis 8 ans, elle vit avec les regrets, avec le cœur lourd d'avoir tué son père, alors qu'en vrai... Elle lui a juste mis une balle, voilà, tremblement de sourcils, le doigt qui part, ça arrive. J'ai vécu la même chose là dans le jeu il y a quelques instants, ça voilà, bon. Des fois tu veux en mettre une, t'en mets 15, bah tu veux, voilà. YouTube, à la prochaine, n'hésite pas à me dire, évidemment encore une fois, bah ce que tu penses de tout ça, même si bon moi j'aurais déjà terminé. À ce moment de l'aventure, ne trichez pas, hein, ne trichez pas. À votre avis, c'est qui l'a fait ? À la prochaine YouTube. Merci de regarder tout ça. Merci de soutenir.